Vas-y, file-moi une cigarette. Je les rendrai tes clopes. Ouais, c'est ça. Elle m'en a peut-être mis dans mon colis en plus. Vas-y, ouvre-le ton colis. C'est vrai que c'est le moment là. Alors, tu l'ouvres? 2 secondes. Il est lourd? Un peu. Je peux le peser? Ouais, mais tu le gardes pas une heure. Et surtout, tu l'ouvres pas. C'est du lourd, ça, mon pote. Encore plus lourd que la dernière fois. Sérieux? Carrément. Tu vois, rien qu'au toucher. Ça sent, il y a des trucs lourds à l'intérieur. Passe-le-moi. Attends. Laisse faire le professionnel. 3 kilos, 435 grammes, enfin un truc comme ça. T'as vu ça? T'as la main lourde, mon pote. Là-dedans, il y a 3 kilos de sang, pas plus, c'est sûr. Je parie. Ce que tu veux. Un des trucs qui est à l'intérieur. Calme-toi, je vais l'ouvrir. Y'a quoi? Déjà, il y a des clopes, mec. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais attends, c'est pas tout. Il y a une belle boîte de rillettes. 400 grammes. Et ça pue, ça, des rillettes. Ensuite? Il y a des gâteaux. C'est marqué nature dessus. C'est pas mal, ça, le matin. Ouais. Tiens, un carnet pour noter des trucs. Tu veux noter quoi? J'en sais rien, on n'est pas obligé de le remplir. Si un jour on veut noter des trucs, on sait qu'on l'a, c'est tout. Il est comment ce carnet? Noir. Et dessus c'est marqué... Super conquérant. Ouais. Ça c'est pour nous ça, toi. Super conquérant. Bon, tu vas faire des commentaires à chaque fois? Vas-y, continue. Il y a une boîte, je sais même pas ce que c'est. Il y a des poissons dessinés dessus, mais bleus. Genre, des sardines? Non. Des poissons bleus ou turquoises. Elle est magnifique, cette boîte. Peut-être c'est des poissons rares? Certainement. J'espère au moins que ça se graille. Hein. Parce que peut-être c'est juste de la déco. T'as déjà vu des boîtes de conserve pour décorer, toi? Évidemment que ça se bouffe. C'est juste des poissons qu'on connaît pas, c'est tout. C'est chelou, non? Quoi, tu connais tous les poissons? Je connais les classiques. Les classiques? Oui, ceux en boîte. Bah, c'est des nouveaux. Turquoise. C'est ça, ouais. Turquoise et en boîte. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est des poissons rares. Bon, je peux continuer? Vas-y.
vide. J'ouvre quand même. Bah oui, ouvre toujours. Oh putain. Quoi encore? Je me suis trompé, il est pas vide. Mais il y a quoi dedans? Une odeur. Une odeur? L'odeur de la rue. T'es sérieux? Je te jure, l'odeur de la rue, vraiment, j'en ai plein les narines. Piétons dedans. Il y a plein de paires de jambes qui martèlent le trottoir. Il y a plein de paires de jambes qui martèlent le trottoir. Il y a plein de paires de jambes qui martèlent. La femme qui traverse sa petite saut sans se casser les talons. Les vitrines des boutiques avec des fantômes de voitures en reflet. Monsieur tout le monde qui suit ses mocassins. Les vitrines des boutiques. Un mégot surfeur dans le caniveau. Le boucher avant son bout de trottoir. Un mégot surfeur dans le caniveau. L'odeur de la viande. L'odeur de la viande. Il y a un grec. Je sens les frites. Les frites. Les étalages de fruits brillants, on dirait des faux. Une pharmacie toute neuve, spécialisée dans les régimes. Le pigeon qui s'envole pour faire 2 mètres. Un gosse avec 3 dents pour se marrer. Le crêpier soufflant sur sa brûlure. De l'ascar qui s'enliferme sur un banc. Surtout celui de droite. Une agence de voyage minuscule. Le parfum de la brune qui sourit pas. Un hôtel sans étoiles coincé entre 2 immeubles. Le cul de la brune qui sourit toujours pas. Un clodo collé au bitume et son chien qui relève la tête. Le d'une porte de bus ouvert. La terrasse de café. Un bruit de clé. Le silence d'une cour. Un rideau de fer qui se relèvera plus. Promenade.